Coucou tout le monde. Je viens de remarquer que j'avais oublié un classeur de tampons. Bah ouais, j'en ai tellement, je sais même pas. J'avais oublié que j'en avais encore un. Celui-ci me sert plus pour la carterie quand même. Donc, je vais vous montrer ça en vitesse. Ce sera une petite rajoute à la vidéo. Donc, il y a les quatre ces tampons de fond. Les petits personnages Magnolia. Il y a les trois là. Celui-là, il est trop mignon aussi. Voilà. Ici, c'est un petit bonhomme tout mimi avec un gâteau d'anniversaire sur la tête. Ceux-là, c'est des tampons. Ah, je me souviens plus de la marque. Je les ai eu en cadeau à une amie, mais en fait, ils sont collés sur le support et je n'arrive pas à les décoller. Si j'essaye de les décoller, ils se désintègrent. Donc, il faut que je les utilise comme ça. Donc, c'est pas évident. Et celui-là que j'adore aussi. J'ai acheté sur un groupe de d'occasion. Les petites filles d'aujourd'hui, je sais plus comment. C'est une petite fille sur un banc. Voilà. Bon, il est presque vide parce que j'en ai viré pas mal que je n'utilisais pas. Alors, ceux-là, ils sont trop beaux aussi. C'est fait un peu gothique. D'ailleurs, je crois que je vais continuer ma collection. Une petite fée que j'adore et que j'utilise jamais. Oui. Ah, cette marque, j'adore aussi les petites filles, les petits gars de cette marque, ils sont trop beaux. Et on les trouve qu'aux États-Unis. Voilà, c'est une gorgeuse. Ici. Une petite ours de Noël. Une petite fifi qui va aller au dodo. La petite souris. Alors là, on va pas rien voir. Mais... Ah, si, un peu quand même. Voilà. Celui-là. Qui je crois que je vais mettre en vente parce que je n'ai jamais utilisé. Et alors, il y a mes Tim Holtz. On voit rien du tout. Voilà. C'est là sur le thème de la couture. Voilà, mais c'était juste une petite rajoute pour vous montrer la totalité des tampons. Voilà. Là, je pense que j'ai fait le tour et qu'il ne doit plus y en avoir, à moins que... Voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer celui-là. Une petite tour Eiffel. Bon, regardez pas l'image, là, c'est mon classeur quand j'étais à l'école. Quand je m'amusais à mettre des petits autocollants. Puis là, il y a des gros mots en italien. En fait, il y a des coulots. Alors, il y a une phrase là, ça c'était en italien. Bon, ça n'a rien à voir avec le scrap, mais je vais vous le dire quand même parce que je trouve que la phrase elle est trop belle. En fait, ça veut dire 9 mois de souffrance pour avoir la plus belle récompense de la nature, de la vie. Je sais plus. Je sais plus comment ça va maintenant. Ah mince! 9 mois pour avoir la plus belle récompense de la vie, de la terre. Qui durera une injustice et une tristesse. Enfin, je sais plus. Enfin, c'était trop beau, voilà. Donc, voilà, je voulais vous le dire, mais je ne le sais plus. Donc, vous ne le saurez pas. Voilà. Ça vous apprendra. Si ça me revient, je le noterai en commentaire sous la vidéo. Bon, mais je vous fais des gros, gros bisous, les filles. Et puis, les filles et les garçons, bien sûr. Et puis, voilà. À très bientôt. J'essaierai de faire cette fameuse vidéo sur les Perfect Pearls que je dois faire depuis quelques temps et que j'ai toujours pas eu le temps de faire. Voilà, donc... voilà. Puis, je viens de voir qu'Audrey me demande est-ce que tu peux dire à YouTube d'aller plus vite? Je vais essayer. Allez, bisous les filles. À bientôt.